Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec trois frères et sœurs, plus connus sous le nom de Code Familia. Younes, Yacine et Myriam, ils ont plusieurs millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va passer 24 heures avec eux. Vous allez voir leur vrai visage, c'est une toute autre chose. Le lundi après-midi, ils réservent une partie de leur temps pour faire des montages, mais il n'y a plus internet, c'est la panique. Mais pourquoi ça marche plus? La connexion! Remettez la co! Pourquoi ça s'est éteint? Dans ce genre de moment, ils vont même jusqu'à menacer l'électricien. Ils sont sur les nerfs. Ah, c'est l'électricien, il doit encore toucher à la borne là. Je vais me le faire. Ça va partir. Sûr, c'est le technicien d'internet qui encore touche tous les jours, il fait sauter la connexion. Et à un moment donné, je vais l'attraper, faudra pas dire Yacine, t'es convoqué à la police ou quoi, c'est mon droit. Tous les jours, la connexion elle saute, on paye pour rien. Ça y est, il commence à m'énerver cet électricien là. Tu sais où il traîne? Il est là-bas. Traîne où? Là-bas. Vas-y, on y va. Ça devrait bien se passer. Ah, ils ont oublié la clé encore. Il est là-bas. C'est lui là? Oh non, pas eux encore. Il s'est sauvé. Il a ses claquettes. Il rend ouf. Je reste là, c'est bon. J'attends. Attends, je vais mettre un cadenas sur le truc. T'as pas un cadenas? Reste là, on attend là. Il va revenir, c'est sûr. Myriam, la plus jeune de la famille. Visage souriant en vidéo. Mais dans la vraie vie, c'est tout autre chose. Vous allez découvrir ce monstre. Yo les amis, j'espère que vous... Mais attends, c'est toi ou c'est moi là qui fais? C'est moi. C'est clairement moi. Désolé. On va recommencer combien de fois tes cheveux de clochard? On pourra pas filmer là. Ah. Elle sème la terreur dans la famille. C'est bon là, t'es bien là? Ouais. Là, on va faire un... Alors je t'explique, on va faire un jeu TikTok. J'ai pas envie de recommencer 1000 fois. Donc s'il te plaît, concentre-toi. D'accord. Et c'est parti, donc je vais essayer de faire mon record du monde sur le jeu TikTok. Let's go. Oh. Non. Bon, vas-y, laisse tomber, reprends ton portable. Et vas-y, pars. Attends, j'ai une question. Comment t'as eu autant d'abonnés? T'es pas marrant, tu casses la tête. Désolé. Je te dérange pas? Nous on est en bas, on se casse la tête à faire un TikTok pendant toi, t'es posé sur ton téléphone. Tu parles à qui? Tu crois j'ai ton âge? Et ici, tu manges, tu dors, tu bois, tu prends ta vie en main, abruti. C'est pas possible. Younes, le plus grand de la famille, fait croire à toute sa communauté qu'il fait un régime à base d'haricots verts et de poissons. Mais la réalité est bien différente. Quand il passe dans une cuisine, c'est une tornade. C'est la fin. Il ramène pas devant. Mais y'en a un qui parle, c'est comment? Pas devant. On a quoi? Je me mets bien de Margherita. Ouais. Tu me mets une pizza au thon et une pizza au poulet. Et rajoute-moi des tiramisu. Mais par contre, tu sonnes pas à la maison. Tu me ramènes au terrain. Tu m'appelles, j'en ai cherché. Y'a pas. Faites quoi là? Rien, je m'entraînais à faire un truc. Bon, je dois te laisser. Y a pas d'intimité dans cette chambre. Tu parles à... Vas-y, bouge. Tu parles à... Je vais dormir, je suis fatigué, tu vois bien les desserts. Vous m'exploitez, vas-y, bouge. Oula, il est sur les nerfs, lui. Bonjour, c'est tonton Hamid, vous n'avez pas le nouveau dentifrice? Ce dentifrice rend les dos super jaunes, blanches. Et les promotions, 100,99€, achetez-le, vous avez les dents blanches. Pousse-toi, tu sais rien, pousse-toi, allez. Merci Hamid pour ton dentifrice, mais moi c'est Tata Soumicha et je vous présente les fleurs d'oranger. Pour avoir la peau dégueulasse, belle, c'est pas de l'alcool, bien évidemment, c'est 100% naturel, il y a marqué arôme. C'est quoi le texte déjà? 55€ au lieu de 30€. 100€ au lieu de 30€. Voilà, j'ai fini ma pub. Yacine, 27 ans, joue encore à Fortnite, un jeu qui rend les enfants accros. Il lui arrive très souvent de rager et de lancer sa manette contre l'écran. Il va même jusqu'à bloquer ses propres abonnés. Chill, toi, chill. Qu'est-ce que tu fais, mec? J'ai pas pris l'edit, voilà, j'ai pas pris l'edit. J'étais en train de mettre une grosse. Vas-y, pourquoi tu vas aller jouer? Reste dans nos box, frère. Vas-y, va te faire f***. Marre. L'autre, il arrive, j'ai un HP. Tu parles à qui, toi? Je suis sûr que tu me verrais dans la vraie vie, tu me dirais pas ça. Ah ouais? Vas-y, bah viens, on se donne rendez-vous. Vas-y, j'arrive tout de suite. C'est un malade lui ou quoi? C'est le monter en l'air. Il arrive quoi, Familia? Je vais le défoncer. T'as un mec de là-bas, là. C'est toi, Predator Killer? C'est moi. Toi qui m'as mal parlé sur Fortnite. Oh mince. Ce sont des influenceurs très modernes. Ils font du sport 6 fois par jour. Mais quelquefois, ça part au vinaigre et la famille part en clash. Nous avons des images exclusives en caméra cachée. Vas-y, on fait quoi comme séance? On fait un peu tout. Ah, genre les bras, les pecs, tout, un peu tout. Bravo, j'ai pas fini, frère.
Mais t'as pas fini, ça fait une heure que t'es dessus. Il reste une série, arrête. Mais j'en ai besoin, je dois aller là. Non, vas-y, redonne-moi, il me reste une série. Mais comment ça, une série? Non, parce que je comprends, vas-y, donne-moi. Mais c'est à mon tour, frère. Non, vas-y, ça y est, donne-moi. Attends, tu cherches quoi là? Tu cherches quoi? Mais vous arrivez quoi, les Dalton là? Je vais régler ce problème tout de suite, allez, venez. À chaque fois, il me cherche, il prend tous les trucs, il y a d'autres trucs dans la salle, il y a pas que la terre. J'ai envie de faire ça. Parce que je le fais. Attends, viens t'asseoir. Y'a quoi? Assis-toi. Non, mais c'est lui, il prend mes haltères à chaque fois. Attends. Comment ça me saoule lui? Tiens. Mais pourquoi tu veux que je mette ça? Mais ça là, vas-y, dépêche-toi, j'ai pas ton temps. Eh oh, réveille-toi, t'es le plus grand de la famille. C'est bon. Prends tes haltères, c'est pas grave, c'est autre chose. Dans tous les cas, tu fais ça pour rien. Regarde tes bras là, tes bras ramollos comme des spaghettis. De théâtre. Nous les surprenons en caméra cachée en train de scénariser leur vidéo. Effectivement, tout est fake. Il y a des ordres donnés par les plus grands. D'ailleurs, ils nous ont fait une petite confidence. Yassine, il va venir, il va te faire un prank. Il va t'exploser un ballon sur la tête. Toi, tu fais quoi? Tu fais une fausse embrouille, en gros, t'as compris. Myriam? Ouais. Au début, je vais te faire une feinte. Fais genre que tu rentres dans l'infante, d'accord? Comme ça, ça va faire une bonne réaction pour la vidéo. Ouais, on a plus de 2600 vidéos, je crois, c'est scénarisé, hein. On peut dire que c'est fake. On vit pour les caméras, quoi. Ça a commencé en 2012. On a fait un prank, il a fait 1 million de vues. Depuis ce moment-là, on a continué. J'ai honte. Bah moi, on me dit de faire une réaction, bah moi je la fais, vous allez dire quoi? Les jeunes influenceurs ont acheté des poissons. Les pauvres n'ont pas mangé depuis 2 mois. Ils veulent leur donner de la vraie nourriture. Je t'ai pas mangé, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai rien fait. Fallait m'écouter aussi, c'est pas... Tu sais, tu me nargues, tu me manques de respect. Tu penses qu'ils mangent quoi, Younes? Tes poissons là, les poissons rouges? Ouais. Bah, je sais pas moi, donne-leur... Tu vois, quand tu vas au grec, il y a les restes là. Tu mets ça dans... Mais imbécile, il mange des trucs de poisson. Tu vois les graines, là, faut acheter des graines, il mange des graines de poisson. Ça, j'ai mis des restes de grec dedans. Quoi? J'ai mis des restes de grec. Être suivi sur les réseaux sociaux n'est pas tout le temps facile, car il peut y avoir des haters. Un ou à la fois 1000. En fait, moi, les haters, qu'est-ce que je m'en fiche de leur vie? Si je veux, je viens, je leur mets une patate, comme ça, je les gaze comme ça. Et voilà, bah c'est la fin en fait. Moi j'aime pas les haters. Vous savez, ma phobie en fait, c'est de voir un haters. Sans ça, tu vois, si j'ai pas ça, moi un haters, je lui fais ça, je lui fais. Ah, vous voulez une anecdote avec un haters? En gros, facile, il y a un mec, il parlait mal. On l'a attrapé, et je l'ai ramené chez ses parents. Je lui ai dit à ses parents ce qu'ils avaient fait, et il est plus sorti de chez lui pendant 2 mois. On arrive à la fin de la vidéo et on s'est fait un délire avec Myriam. Genre, on était en train de manger, et Myriam, elle a fait la fin de la journée hier. Fait la fin de la vidéo avec la voix journaliste. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Younes, 26 ans. Il ne sait même plus jouer à Call of Duty. Elle fait trop bien la voix. Du coup, on s'est dit, Myriam, faut trop qu'on fasse une vidéo. On était mort de rire jusqu'à Myriam et pleurer. Donc du coup, on s'est fait cette petite vidéo en mode rigolade. N'oubliez pas de laisser un like, abonnez-vous. Mais pourquoi tu fais des... Ça y est, reprends ta personnalité de Myriam, là. La monstre de la famille.